l'homme dans le feu. Et l'homme atteint dans sa capacité. Qui sera dans le feu. On l'amène en basse. Et le feu de plus le bas, c'est qu'on va maillot. Il sortira. Amen. Amen. Koyima. Amen. N'est pas dans les causeries. Tu viens d'un jeûne de 3 jours. Et tu as jeûné pour un sujet précis, par exemple un travail. Et puis tu as fini ton jeûne. Les résultats de votre jeûne souvent dans les jours qui arrivent. Et puis vous êtes avec vos copains, vos amis. Ils parlent aussi du travail. Ils commencent à se plaindre. Ah, ce pays ici. Donc on ne peut pas avoir le travail. On ne peut rien faire. Toi qui viens des jeunes. Il va aussi participer à ça. Au côté de la Lobawan. Tu commences à murmurer. Ah. Mais c'est que tu oublies. Au bon sang. Que l'esprit est en toi. C'est le Saint-Esprit. Et à mon livre, mon sang. C'est l'esprit de Dieu vivant. Et à mon livre, mon sang, papa mort. Amen. 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 Ne vous plaignez pas. Bon, il la tête. Amen. Même si c'est un serviteur de Dieu, se plaint. Mais comment ça, il va tout ce que nous avons besoin. Autant de mon ça. C'est de parler à Dieu. Et ça, qu'on va l'entendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand la promesse traîne. Quand la promesse traîne, ceux qui dit la question où est là, vous tarde, et sont où est là, la Bible dit attends là, Bible dit c'est là, non, il va s'accomplir, et donc comme ça, ma caca. Amen, 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 amen. Ne murmurez pas, quand il va y mater, ne murmurez pas pour vous-même, quand il va y mater pour la yo, ne murmurez pas contre les frères qui est en Espagne, je ne sais pas où, quand il va y mater pour la néolée qui est dans la porte, parce qu'il est énorme là-bas, pour ça, mon tout. Amen, amen. Des fois, tu as dit un chrétien. Nous sommes en Christ. Tu es né de nouveau. Au bout de la vie, tu plus le Saint-Esprit. Au bout de la vie, tu construis ton foyer païen qui est aux États-Unis. Si tu es un pagan, tu es un poto. Il est ton ennemi. Encore un peu de la vie. Et tu ne sais pas. Au lieu d'éviter, il faut faire attention. Keba, ton Dieu, femme la vie, est amplement. Amplement. À Zangosala, amplement suffisant. À conquis pour la vie. Pour que recevoir tout ce que tu désires. Prends ta paix, ça y est, oh, nous sommes en repos. Alléluia. Amen. 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 Et ça, c'est les murmures. Ne murmurez pas. Oh, il va rater. Surtout pas envers Dieu. C'est tout, mais les mots sont en train. Il y en a qui prient comme ça. Mon Dieu, tu aimes plus les autres. Mais pourquoi pas moi? Alors, là, l'esprit d'envie entre. Amen. Amen. Prise les 10 commandements. Les 10 commandements, on dit n'enviez pas. Parce que mon père, quand il loue la vie, bénis ton frère. Bénis ton frère. Il a les dons spirituels. Mais ça veut pour ceux qui ont les dons spirituels. Dieu vous demandera les comptes pour ces dons. N'enviez jamais ceux qui ont les dons spirituels. Amen. Amen. Parce que eux, ils doivent travailler pour Dieu. Et s'ils ne le font pas, ils ont le problème. Alléluia. Amen. N'enviez pas celui qui réussit dans sa vie. Amen. Soyez content pour ça. Ça va nécessairement là-dessus. Pratiquement. Il y a solo. C'est la paix venir. Ouais, ah, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est pas lui? Résister à cela. Il s'en va hors de moi. Le mal, le moi aussi, au nom de Jésus-Christ. Moi, je ne vais pas envier. Je vais venir. Parce que ma bénédiction, elle va arriver. C'est mon Dieu. Est fidèle. Alléluia. Amen. 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 La troisième chose. Et là, comme ça. C'est prier en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est prier en dehors de la volonté de Dieu. Jean, l'apôtre Jean dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. Et si nous demandons quelque chose, c'est sa volonté. Il nous écoute. Il n'a rien à compléter après. Il te demande selon la volonté de Dieu. Dieu va t'écouter. Tu te demandes en dehors de la volonté de Dieu. Attends 20 ans. Attends 20 ans. 30 ans. 30 ans. Il ne va pas t'écouter. Notre Dieu est immuable. Et il ne change pas ses règles. Donc, à nous de découvrir quelle est la volonté de Dieu. Par rapport à mon problème. Quelle est la volonté de Dieu? Peut-être tu viens des traditions. Où on vous dit que la maladie ou les guérisons, c'est les choses du passé. Nous c'est la Bible nous enseigne. Et vous imposerez les mains malades. Et les malades seront guéris. Tu as le choix de choisir la parole de Dieu. Et attends, ou les traditions. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi il faut connaître la Bible. Et c'est la Bible. Amen. C'est pourquoi la Bible est traduite dans toutes les langues. Alléluia. Amen. C'est important pour que l'ennemi ne vous trompe pas. Et ça, tu n'as pas de cause à l'autre. Les gens ont beaucoup peur des sorciers. Mais le plus grand danger de la chrétienté, c'est l'hérésie.
Christ est une hérésie. Amen. Amen. Hérésie, c'est quoi qui peut chéquer hérésie? Non. Hérésie. Les années qu'on boum, ils s'en aillent. Ok. Parce que la Bible peut dire autre chose. La Bible dit qu'on comprend autrement. Pas ça, la Bible dit que mon peuple est détruit. Bible dit que la connaissance. Amen. Amen. Alors si tu as la connaissance, ça, alléluia. Amen. Tu prieras pas de la volonté de Dieu. De la volonté. Tu vas être la catégorie de ceux. Amen. Amen. Mais quand ils disent que c'est ton droit, mais ce que je dis, c'est ton droit. On a été qui passait mettre sur le somme guéri. Quand tu commences à avoir peur d'aller mettre au pied du sami, tu vas t'agripper à cette parole. Et c'est nous qui avons le rôle. Et tu vas la méditer. Au côté, tu vas la penser sur la situation. Et au côté, on va commencer à les résultats. Mais comment on a dit, amen. 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 Par exemple, pour la guérison, par exemple. Dans mon somme à l'obéi. Donc, par exemple, pour la guérison. Dans mon somme à l'obéi. Je vais juste aller. Il y aurait cette manière que tu peux me guérir selon la Bible. Voilà. Et ça, la relève sept dans ma gobisse, ça, on a travaillé le matin. Pourquoi cette manière? Pourquoi on dit cette manière? C'est Dieu qui nous guérit. On a ma gobisse, la vie. On peut avoir la foi. Qu'on a on demande, on voit, on demande. Au Seigneur, on est guéri. Au bis. On peut être malade. On cause la robe. On voit les anciens de l'église. Oui, on va pas gagner. Nous prenons l'huile d'onction. Tu aussi ma foudre. Nous voyons de ton œil d'huile. Ton parcolio. Tu es guéri. Tu es obligé. On peut s'accorder avec un autre frère. Pourquoi y'a qu'un an de vos soucis? On s'accorde. Pour la guérison des nôtres. Pour la robe de vos soucis. Tu es guéri. Obligé. Ah, tu peux venir ici. Pourquoi y'a là? Quelqu'un a un don de guérison. Pourquoi y'a là? Il proclame seulement la guérison. Obligé à ma camou. Tu es guéri. Obligé. Amen. Amen. Tu peux simplement venir pour le pardon des péchés. Pendant que tu es sincère dans ta repentance, Dieu te guérit. Amen. Amen. Pourquoi Dieu fait cela? Dieu peut nous guérir. Et donc c'est conscience maintenant. Ce qu'on voit dans la vie, il faut que ça soit tourné vers ça. Et c'est dans la macabre. Il faut dire que Dieu veut me guérir. Dieu veut me bénir. Et pourquoi ça bloque? Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce que je dois changer? Quelle est la clé qui manque? Alléluia. Amen. 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 Donc il faut connaître la parole de Dieu. Et c'est qu'on y va le Amen. 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 Vous ne serez pas les sujets que vous connaissez la parole de Dieu. Attends, ce qu'on a le Bantamé, ça ne m'a pas cité. Vous n'allez jamais quitter l'église parce que le pasteur a fait une erreur. Au cours de l'église, c'est pas pasteur à saint erreur. Si vous connaissez la parole de Dieu. Vous n'allez pas entrer en rébellion avec l'église. Au cours de que l'église était. Parce que c'est une malédiction terrible. Et ça, il a créé ma mère, vous n'allez pas entrer dans l'église. Et c'est encore dans l'église, c'est. Où il n'y a pas de vérité. Et c'est la vérité, ça. Si vous connaissez la parole de Dieu, c'est votre devoir. Et ça, tu n'as pas de connaître la parole de Dieu. Et la lire tous les temps. Alléluia. Amen. Amen. La quatrième chose. Et l'autre mine. Qui fait que les prières ne sont pas écoutées. C'est la désobéissance. Et ça, qu'on bouge à mon bec. Amen. Amen. Si tu es désobéissant. Amen. Amen. Moi, quand quelqu'un vient me voir pour que je prie pour lui. Si tu es désobéissant, perdons le temps. C'est ma main, ne guérit pas. Ma main, au nom de Jésus-Christ, peut guérir. Amen. Ma main n'a rien. C'est dans ta main. Alléluia. Amen. Mais ce qui est nécessaire pour nous, c'est d'être obéissant. Amen. Amen. De connaître, de faire les choses qui plaisent à Dieu. Ça nous garde à l'alliance. Amen. Amen. Je ne peux pas que quelqu'un qui vit de la peur. Je dois être sûr qu'il y a un péché en lui. Je n'aurais pas besoin d'un discernement. Alléluia. Amen. Dans Genèse, quand nos premiers parents ont péché, c'est alors que la peur est entrée dans l'homme. Parce qu'ils ont péché. Avant, ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Amen. Et quand Dieu a appelé, Adam, où es-tu? Oh, Jean, t'as dit ta voix. J'ai eu peur. Et Dieu a dit, qui t'a dit que tu étais nu? Amen. Chaque fois, tu vis dans les péchés. Et tu
avec le péché. Tu es loin de ta bénédiction. Amen. 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 Il y en a qui veulent tenter les églises. Avec les forces de culte. Dieu donne toujours un temps. Après, tu es libre en spectacle. Amen. 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 Le plus essentiel pour nous. D'être obéissant. Amen. Amen. Jean toujours dit, j'aime beaucoup l'apôtre Jean. Jean dit simplement ceci. Nous recevons tout de lui. Et nous gardons ses commandements. Et Jésus dit ceci. Si vous gardez mes commandements, et si vous gardez ma parole, la grande parole demeure à vous. C'est un chèque en plan. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est ça la chrétienté. Amen. Amen. Si tu viens avec le péché, et que moi j'ai pris pour toi, ça ne va pas aller plus loin. Tu vas peut-être me salir un peu spirituellement. Et j'aurai le temps de me laver pour ça. Amen. Amen. Simplement ce qui s'est passé. Mais quand tu es sincère, que ce soit la profondeur du péché, si tu as des crimes que tu as faits, si tu es sincère devant Dieu, ça va produire et retourne à la maison. Dieu te bénit. Amen. Amen. C'est pourquoi Saint Jean dit ceci. Quand vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juge. Jésus-Christ le juge. Amen. Le chrétien peut tomber. Mon Christ encore quoi là? Mais le chrétien ne peut pas demeurer tout le temps dans le péché. Mais encore où mais la carte à ma bête? Il ne va jamais croître. Et encore la terre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous devons toujours nous regarder avant de prier. C'est pour les prières de repentance avant la prière, même comme une intention d'importance. Amen. 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 À la maison, tu le fais. Et le matin, avant de sortir, tu le fais. Amen. Amen. C'est très important. Peut-être que tu as péché en pensée. Peut-être que tu as occasion de chute pour quelqu'un. Au lieu de nos jours, par exemple, le monde est un peu entré à l'église. Hein. Et vous voyez les gens qui portent des habits comme. Des habits de chambre, ils se promènent dans la rue là. Dans la lélo, au moins, on va te parler de la masse chambre, la lélo, la carte. Des fois, ils sont à l'église. Bam, souvent, ils sont à l'église. Et toi, tu es chrétien? Yo, mon divin. Et tu es habillé comme ça. Hola, Tiboy. Le frère qui est venu prier. Frère, rien qu'on s'en met là. Et il sait à cause de toi. Après, nous, c'est ma carte, c'est quoi là? Yo, quand je les chute. Yo, tout ce qui m'a coupé. Toi, tu ne sais pas. Yo, évité. Parce que tu es ignorant. Pour être yébin à hôtel. C'est pourquoi il faut demander pardon. Yamé, c'est un sang à part. Le péché que nous ignorons. Voilà, ma évité. C'est très important. Exactement, à côté. Alléluia. Amen. 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 La quatrième chose, pour que qui bloque notre prière, et c'est la chose la plus générale à la race humaine, c'est l'orgueil. Amen. Amen. Dieu résiste aux orgueils et il fait grâce aux âmes. L'orgueil, souvent les gens croient que les gens riches sont orgueilleux, les gens qui sont de conditions moyennes, ils sont humbles. Oh non, non, non.